Voici une capsule vidéo pour la série Les têtes actives. Comment modifier le style d'une ligne? Si vous utilisez l'outil stylo pour tracer une ligne, vous pouvez, en sélectionnant l'objet, modifier le style de ce trait. Dans les poignées sélecteurs, vous sélectionnez le menu et vous sélectionnez le navigateur de propriétés. Présentement, dans le navigateur de propriétés, on voit toutes les propriétés de l'objet sélectionné. Sous l'onglet « Contours », on peut voir vis-à-vis style, présentement, le trait est plein. En sélectionnant la petite flèche, on peut modifier rapidement le style du trait. On peut, vis-à-vis couleur, modifier sa couleur. On pourrait modifier sa largeur. On peut modifier aussi le style des extrémités et finalement modifier le style des jointures. Maintenant, si vous utilisez l'outil forme pour faire un trait. De la même façon, en sélectionnant cette forme, sous l'onglet contour dans la boîte navigateur de propriétés, on peut modifier encore une fois le style du trait, sa couleur, on peut modifier sa largeur, on peut modifier le style des extrémités et finalement le style des jointures. Dernier exemple, si je vais sélectionner maintenant une forme, comme le carré, je peux de la même façon, en sélectionnant l'objet, modifier le style, la couleur, la largeur et le style des extrémités et jointures. Si vous avez utilisé l'outil texte pour écrire ce texte, en sélectionnant la boîte de texte, sous l'onglet Contour, on peut lui aussi sélectionner un contour. On peut modifier aussi sa largeur et encore une fois, on peut modifier les deux styles suivants. Finalement, si on désire ajouter un contour sur un objet, le seul moyen, c'est de prendre l'outil forme, de sélectionner une forme, maintenant mettre aucun remplissage, choisir la couleur voulue pour le contour de la forme, faire la forme autour de l'objet, ensuite sélectionner la forme et l'objet, et finalement, le grouper. Maintenant, mon objet a un contour. C'était une capsule pour la série Les têtes actives. Ici Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique des produits Promethean iClass Canada. Vous pouvez poser vos questions sur notre Facebook Syllab Interactif ou aller visionner toutes nos capsules vidéo sur la série Les têtes actives.